sa campagne acharnée qui est menée contre moi est une campagne dont je sortirai renforcée parce qu'elle est une campagne de vilenie, elle est une campagne de calomnie face à laquelle je rendrai coup pour coup. Je suis pas content, il y a les policiers qui manifestent. Ouais, les policiers. Oh, ils sont pas contents eux non plus. Ben non, ils ont des problèmes de sauvageons. Quatre policiers victimes d'une violente attaque samedi à Viry-Châtillon, région parisienne. Deux sont grièvement blessés, une policière de 39 ans et un jeune policier de 28 ans qui, lui, luttait encore hier soir. Ils ont été confrontés à une bande de sauvageons qui ont agi avec lâcheté. Des sauvageons, bien sûr, Bernard, C'est marrant, moi je pensais que le problème des policiers en France c'était plutôt ça, mais visiblement c'est ça en fait, j'avais pas dû comprendre. Non franchement Bernard, t'as vraiment de la chance qu'on ait arrêté la blague à nanar pour la saison 3, hein. Sinon je te jure t'étais dedans. Donc du coup les policiers, vu qu'ils étaient vraiment pas contents, bah ils ont manifesté. Oui mais le problème c'est qu'ils ont pas le droit. Des fonctionnaires tenus au droit de réserve qui ont bravé les sanctions une seconde fois. Lundi soir, ils avaient manifesté sur les Champs-Élysées. Alors du coup, au gouvernement, ils étaient pas contents. Donc ils ont saisi l'IGPN, la police des polices, pour punir les policiers. Attitude jugée inacceptable par leur ministre de tutelle qui a saisi l'IGPN. Et si j'ai accepté que l'on saisisse l'inspection générale de la police nationale? Si j'ai accepté que l'on saisisse... Oh là là, mon con, non mais t'as rien accepté du tout, Duglan. C'est toi qui as saisi directement. Hein, voilà, tout seul comme un grand, peut-être parce que d'ailleurs dans les manifs, il y avait 2-3 slogans qui te revenaient dans le pif. Voilà, donc faut arrêter de nous vendre, hein, moi j'ai accepté, parce que c'est mon travail, mais je voulais pas. Non, je voulais leur mettre un petit mot dans le carnet de liaison pour prévenir les parents. Hein, tu prends les gens pour des cons. Et quand t'as mis 4 mois de prison, enfin c'est pas toi qui les as mis, pareil, t'as accepté que les juges condamnent. Hein. Un mec de 4 mois de prison, 39 ans à Cherbourg. Parce qu'il t'a envoyé une petite lettre, là, et qu'au lieu de mettre dans l'entête « Monsieur le ministre », il a mis « Monsieur l'incapable » et son équipe de bras cassés. Ouais, outrage à ministre. Bien sûr, il a pris 4 mois de prison, il s'est passé quoi? C'est ton fan club qui a porté plainte? Genre, « Oh, on est le fan club de Bernard Cazeneuve! On va porter plainte pour le défendre! On ne parle pas de Bernard comme ça, c'est un grand monsieur !» Non, mais t'y crois, ça, qu'il y a des gens qui t'aiment, Bernard? C'est que dans tes rêves de gosse, mais là, on est dans le vrai monde. Et si j'ai accepté que l'on saisisse l'inspection générale de la police nationale? C'est pas pour entrer dans un cycle de sanctions. Ah bon? C'était pour quoi faire alors du coup? C'est pour rappeler des principes. Mais quoi? Des principes? C'est-à-dire le truc que vous violez 15 fois par jour depuis 4 ans, on est d'accord? D'accord, les principes. Ah putain, les cons, ça ose tout, hein. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Tu voulais pas nous la faire au nom des valeurs pendant que tu y étais? Pour moi, les policiers, ils incarnent le droit, ils incarnent par l'uniforme qu'ils portent le respect de toutes les valeurs. Ok, non, bah il insiste, donc vas-y, envoie le jingle, hein, tant pis. Bravo Bernard, c'est officiel, t'es de retour dans la saison 3, je suis pas content, félicitations. Bon après, c'est vrai, on va pas compter que sur les policiers pour pouvoir renverser le pouvoir. Bah non, ils sont pas assez nombreux. Mais par contre, attention, l'espoir renaît, les amis. Nuit debout est de retour. Et cette fois-ci, on va pas se laisser niquer, les copains. Ah, je peux vous le dire, Nuit debout, ils sont chauds, c'est-à-dire. Ah oui, ils se sont tous rassemblés, la place de la République, là au niveau du skatepark. Et, hein, ah oui, c'est, oui. Oui, là où il y avait des agis révolutionnaires, il y a encore 3 mois, avec des mecs qui disaient « Ah, on va tuer Manuel Valls, on va tuer un but !» Maintenant, il y a un skatepark. Voilà donc la révolution avance. La révolution en action, la jeunesse concernée, bravo. Bravo, bravo la mairie aussi, bravo, bravo. C'est la nouvelle arnaque du Parti Socialiste, en fait, pour régler tous les problèmes en France. Dès qu'il y a un endroit en France où c'est un peu chaud, il y a des jeunes qui se rassemblent, regarde autour de toi, à chaque fois, ils ont construit un skatepark. Bah oui, les jeunes, ils arrivent, « Oh, on va faire la révolution !»« Oh merde, il y a du skate !»« Non, on va faire du skate, on se fait moins mal, hein, ils sont moins armés quand même !» Donc voilà, ils comptent sur ça. Martine Aubry, à Lille, elle a pété complètement un foin. À chaque fois qu'il y a un problème quelque part, elle construit un skatepark, l'autre, les conseillers en peuvent plus. « Skatepark, skatepark, skatepark !» Mais madame, je viens vous voir pour le chômage, là, donc... Skatepark, on s'en fout. La piscine municipale, ouais, les problèmes avec le... Rase la piscine, mets un skatepark. En même temps, ils ont des raisons d'avoir peur, hein. Ils sont chauds, Nuit debout, cette année. Les étudiants, particulièrement. L'UNEF, ils ont dit qu'ils lâcheraient rien. Là, ils sont en première ligne. Ils lancent des kebabs, donc...
Bah du coup, vu qu'il y a eu lancé de kebab, en face aussi, ils ont eu une petite upgrade au niveau du matériel. Oui, ils sont passés niveau 2, là, chez les policiers. Ils ont le droit à du nouveau équipement. Oui, c'est les nouveaux flashballs de la police. Voilà, c'est ça. On dirait l'arme à Al Capone. Il manque plus que les mafieux derrière pour donner les ordres. Ah bah non, je suis con, c'est le gouvernement. Et ce petit bijou, ça tire 6 coups. 2 coups par seconde. Hein ? Oui, un coup, c'était pas assez, visiblement. C'est bizarre, hein, parce que moi, je trouve que les anciennes méthodes, elles marchaient bien. Putain, médecin ! Vous déconnez ou quoi ? Écoutez, monsieur, il y a des coups qui partent. Oh, arrêtez ! Mais t'as vu dans la gueule que j'ai ? Eh, hey, mais si ça se trouve, j'ai un hématome, là ! Un quoi ? Ah oui ! Ah oui, tu as un hématome ! Tu sais, là où t'avais un œil avant, quand même. Donc, c'est marrant, c'est le genre de type, c'est « Ah merde, j'ai perdu ma jambe, putain, je vais avoir une scoliose !» Ah non, mais elle est pas faite, la révolution, là, visiblement, quand même. Putain, mais tu l'es ! Mais c'est pas possible ! Si, c'est possible avec la carte Kiwi. Oui, mais le problème, c'est que la révolution, elle va pas se faire dans ce pays. Si on a Nuit Debout d'un côté qui manifeste dans son coin, les policiers de l'autre, personne veut manifester avec eux parce qu'ils sentent mauvais ou je sais pas quoi, je veux dire, on va jamais réussir à le mettre en PLS, ce gros con François Hollande. Pourquoi on manifeste pas avec les policiers? Pourquoi on fait pas une manif commune, là, tous ensemble? Hein? Ça me dérange un peu qu'ils demandent aux citoyens de les rejoindre alors qu'il y a 4 mois, on criait les mêmes choses qu'eux, on avait besoin d'eux. On aurait eu besoin qu'ils soient de notre côté contre le gouvernement actuel. Ils l'ont pas fait, ils nous ont gazé, matraqué, tout ce que vous voulez. Donc oui, ils se sont pris des pavés. C'est une chose qui est évidente. La violence engendre la violence. Mais par contre, là, de nous demander d'être avec eux, je trouve que c'est un petit peu culotté quand même. Bah oui, madame, mais je suis désolé, à un moment, va peut-être falloir commencer à se pardonner, non? Alors je sais, la pilule est difficile à passer parce qu'il y en a certains qui ont quand même pris des gros coups de manchette dans le museau, mais je veux dire, à un moment, il faudrait comprendre une chose simple. C'est-à-dire que le chaos généralisé qui fait que l'équipe A, vous foutez contre l'équipe B les policiers, n'est ni voulu par l'équipe A, ni voulu par l'équipe B. Elle est voulue par l'équipe C, les mecs qui sont au-dessus. Tu sais. La politique, c'est un schéma très simple. Les Égyptiens l'avaient compris il y a très longtemps. Donc à un moment, si on se pardonne et qu'on arrête de se foutre sur la gueule, merde, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben on est niqué. Et là, on les met tous en PLS. Hein, faudrait juste comprendre que dans le regard de ce policier, il y a avant tout un homme, comme toi. Enfin, je dis pas que t'es un homme, attention, je ne veux pas t'insulter dans ton sexe, enfin, dans ton genre, ou dans... Je ne sais pas, voilà, c'est... Je veux juste dire que dans la langue française, c'est le masculin qui l'emporte. Enfin, je dis pas que le masculin l'emporte, non, c'est... Oh ! C'est quoi ce truc ? La malédiction de Shang Tsung était donc vraie ? Celle qui dit que si l'on tient 3 propos misogynes d'affilée sur YouTube, on peut le réveiller. Non mais c'est pas possible, là vous êtes passé le mot pour me casser les couilles, je vois pas autrement, on peut pas être aussi bien organisé pour casser les couilles de quelqu'un. Ça va, j'ai pas fait gaffe, c'est bon. Putain, mais juste hiberner tranquille moi. Ouais bah très bien, tiens, retourne hiberner tranquille, hein, comme ça moi j'ai peut-être sauvé les 2-3 abonnés qui me restent. Ah non, mais maintenant que je suis réveillé, bon, j'ai quand même, j'ai squatté un petit peu. Ah non, 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 tu ne squattes rien du tout. Déjà que j'ai les antifa au cul, déjà que j'ai les barbus au cul, tu vas pas me rajouter les féministes. Ça va aller, merci, au revoir, bonne journée, monsieur. Mais arrête de faire le fragile, c'est bon, féministe, c'est bon, quoi, surcoté. Je suis pas fragile, je suis sensible, ce n'est pas du tout la même chose. Hein, puis surcoté, surcoté, quand on va se faire striquer la chaîne, tu vas voir si c'était surcoté, on va avoir des emmerdes qui vont atteindre des sommets. Non, voilà, par contre, les punchlines de merde voilà. Comme ça, non, il faut... On dit pas, non. Oh, surtout, hop, on dit pas. Non, non, mais impardonnable, hein. Non, laisse-moi prendre les commandes, ça non, non, tu prends pas du tout les commandes, je... Et fous-moi le camp, je te dis, là. Laisse-moi m'occuper de cette conne, parce que toi, visiblement, tu es mauvais. Ouais, bah, si je suis mauvais, tu es mauvais. Me casse, hein. Oui, c'est pas ta gueule. Donc bref, pour en revenir à nos moutons. Eh, tu t'es pas dit qu'à l'époque, hein, peut-être que Jean Keuf, il préférait garder son emploi et nourrir sa famille d'esclaves, plutôt que de parier sur le fait qu'une saloperie d'ado attardé, sa bande de chômeurs d'esco inutiles, arrive à renverser le putain de gouvernement à coups de pancarte en carton et de tam-tam de fils de pute, non? Non, ça tu t'es pas dit, hein. Par contre, quand il s'agit d'ouvrir sa gueule pour faire la meuf qui défie l'autorité, alors qu'à la première patate venue, elle va se réfugier sur Twitter, là, t'étais présente, là, hein, pas de soucis. Alors bon, voilà, c'est sûr, certains keufs ont la main lourde, hein. Quand il s'agit de mettre des coups de pomfadine de ce nom pour rappeler un peu ce que le mot réalité signifie aux connards qui ont cru que les manifs, c'était l'occasion de pratiquer et de lancer de cailloux dans la gueule. Mais maintenant, faut se dire que s'ils manifestent avec vous, vous avez gagné un bonus de plus 10 en baston de rue, en arts martiaux et en leadership. Et ça, c'est autre chose que de chanter des reprises d'Enrico Macias ou de faire du skateboard d'enculé. Mais bon, pour ça, faudrait peut-être avoir vraiment envie de la faire, la révolution, hein. Mais non, vous préférez rester dans votre petit comité de merde, profiteur du système, et occuper votre temps libre à vous balader avec des pancartes. Hein, avec vos slogans de merde, la trouver en 30 secondes et vous prenez pour des poètes en plus. Putain, mais même ça, vous êtes nuls. Bah oui, parce que c'est pas demain la veille qu'on verra les salariés d'ArcelorMittal ou les petits agriculteurs qui vivent comme des clodos dans vos manifs d'artistes ratés. Parce que eux, premièrement, ils ont pas de temps à
perdre à refaire le monde autour d'un débat d'enculé, de même opinion et d'un sandwich ketchup merguez. Et deuxièmement, eux sont pas protégés par leur statut d'intermittent du spectacle, de gens RSA, dans leur chambre de bonne payée par papa-maman, pour participer à vos IRL Tinder maquillés en Che Guevara du pauvre, ok? Donc un moment, quand il reste encore des gens assez couillus pour aller PLS ce gros François et sa bande de connards, toi t'as juste à fermer ta gueule, et ça vaut même peut-être mieux que tu t'en mêles pas vu que toute ta vie se résume à des ratés, imbécile, va. Bon, besoin d'autre chose? Oh, hein? Besoin d'autre chose ou pas? Non, moi c'est bon, ça va, c'est bon. C'est... Bah oui, ça va, maintenant que j'ai tout fait, connard. Ouais, voilà, ouais, j'y retourne. Bon, après, pour en revenir à ces histoires de nouveaux flashballs, ils ont quand même de l'humour au gouvernement. Ah oui, ils ont terminé par une petite touche comique. Ah oui, je pouvais pas rivaliser. Parce qu'en fait, vu que les gens disaient, mais 6 coups, c'est peut-être quand même 5 de trop. Hein. Moi, je dirais 6, mais peut-être 5 quand même. Ils ont dit, non, mais vous inquiétez pas, le gouvernement, ils ont dit, oui, c'est utilisé par des grandes démocraties dans le monde, cette arme-là. Alors, j'ai fait mes petites recherches. Oui. Effectivement, il y a deux démocraties, avec tout ce que ça veut dire dans le monde, qui utilisent cette arme-là. Il y a les policiers américains qui l'ont utilisée pour faire la répression dans le cadre des émeutes raciales contre les Noirs. Et les deuxièmes qui l'utilisent, c'est l'armée israélienne dans la bande de Gaza, mais uniquement contre les Palestiniens, parce que ça peut blesser les autres. Hein ? Ouais, c'est... Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand le gouvernement s'amuse à faire des comparatifs, ça devient tout de suite plus clair quant à l'opinion et l'image qu'ils ont de ce qu'on représente à leurs yeux. Bon, d'un autre côté, au moins, je peux essayer de voir le verre à moitié plein une fois de plus, hein. Bah, au moins, ok, on va pas faire la révolution, mais on se rassemble, quoi. Ça nous fait prendre l'air, ça nous fait marcher. Parce que c'est très important de marcher. Oui, c'est François Hollande, il l'a dit. Il a fait une conférence, là, pour que les gens marchent. À chacune et à chacun d'entre nous, et je me sens forcément concerné, c'est marcher 6000 pas par jour. Et si on s'en tient à cet objectif, eh bien, il sera possible de diviser le nombre de sédentaires par deux. C'est-à-dire, d'ici 10 ans, être capable d'avoir considérablement changé et le rapport à notre propre corps et le rapport aussi à la société. Voilà, c'est-à-dire qu'à force de faire des discours sur tout et n'importe quoi, qu'est-ce que ça donne ? Bah, ça donne tout et n'importe quoi, François. Ça n'a absolument aucun sens ce que tu racontes. Tu peux pas essayer de foutre de la politique et des trucs absolument partout. Alors en plus, François Hollande ne manque pas d'humour parce qu'il s'est fait installer une sorte de petit pacemaker, une sorte de petit appareil pour mesurer le nombre de pas qu'il fait tous les jours. Et il a promis aux gens qu'il ferait 6000 pas par jour. Ouais, il a dit, pour la prochaine élection, je rendrai public le nombre de pas que j'ai fait. C'est quoi le projet, François ? C'est-à-dire que tu vas débouler en 2017 en disant « Alors, sur le chômage, j'ai pas eu de bol. Sur la sécurité, j'ai pas vraiment tenu mes promesses. Au niveau Europe, je vous ai carrément pas écouté. Par contre, j'ai fait mes 6000 pas par jour. Oui, c'était même pas dans mon programme en plus. Donc, je tiens mes engagements. Pas tous, on peut pas tout faire. Sérieux ? C'est ça le programme de la gauche ? Marcher pour 2017. On a marché. En tout cas, nous, on allait dans le mur, quoi. Après, dans l'autre côté, si, François, juste une toute petite suggestion, si vraiment tu tiens à faire tes 6000 putains de pas par jour, est-ce que tu pourras juste, s'il te plaît, les faire dans la même direction ? Comme ça, hop là, on est débarrassé. Hein ? Je suis pas content ! What?